fois n'est pas coutume, ce soir enquête en solo. Ça va être plus un repérage d'enquête. Avec l'équipe au complet. Ce soir c'est Château Landau. Pourquoi Château Landau? Parce qu'il y a des landaus un peu partout, tout simplement. Voilà. Donc on va faire un petit tour pour vous montrer les lieux rapidement. Et c'est parti. Bonsoir. Je m'appelle David. Je suis venu chez vous dans le respect pour essayer de communiquer avec vous. Je ne vous veux aucun mal. Et je veux pas que vous me fassiez du mal aussi, parce que je suis accompagné de Delphine. On va rester un petit moment ici. Et si vous avez besoin de venir me laisser un message, n'hésitez pas à vous approcher de nous. Dans cette pièce qui est le salon, j'ai posé un pod. Là-bas, une full spectrum. Bonsoir. On est venu chez vous. On voudrait discuter avec vous. Simplement discuter. Je me suis présenté en bas. Moi, c'est David. Je suis accompagné de Delphine. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous appelez? J'ai posé un appareil par terre. Si vous vous en approchez, il fera
de la musique et les lumières s'allumeront. Je vous montre. Voilà, tout simplement. Ça fait rien du tout. C'est juste pour nous vous indiquer votre présence. Est-ce que vous pouvez venir nous parler? Vous pouvez venir nous parler? Vous pouvez venir nous parler? S'il vous plaît. On n'est pas venu vous embêter. On va rester un petit moment ici et après on partira. On n'est pas venu casser ou dégrader votre maison. On aimerait juste avoir des informations sur vous, sur ce qu'il y a après la mort. Parce que vous êtes de votre vivant sans doute posé la question. Et nous, on se pose la même question. Je voudrais savoir si vous avez une réponse. Le gros souci, c'est que vu qu'on est proche d'une route, comme vous l'entendez, proche d'une route, comme vous l'entendez, proche d'une route, comme vous l'entendez, ben, il y a les voitures. Je crois avoir entendu des gens parler tout à l'heure, donc c'est pas impossible. PVE vont être compliqués. Est-ce que vous êtes ici maintenant avec nous? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Toquer contre un mur? Bouger un papier qui est par terre? Nous parler? Je sais que ça va vous demander de l'énergie. Mais j'ai posé des appareils, vous pouvez utiliser cette énergie pour communiquer avec nous. Est-ce que quelqu'un est ici, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez bouger un objet? Celui de votre choix? Celui que vous connaissez bien? Celui qui vous rappelle le plus de souvenirs?
Est-ce que c'est vous que je viens de voir passer devant moi? Ne nous fuyez pas, je vous assure qu'on n'est pas là. Je sais pas, j'ai entendu les feuilles bouger, je sais pas si c'est dehors ou dedans. Oh, j'ai entendu du bruit en effet, mais ça vient de... T'es sûr que c'était pas dehors? Ça, moi je crois que j'ai entendu du bruit de dehors. Vous n'avez pas à nous fuir. N'ayez pas peur. Pas, c'est cet appareil-là. On va essayer de faire quelque chose de mieux. Voilà. En fait, c'est une radio modifiée, couplée avec une enceinte, et qui permet de balayer les fréquences à la vitesse à peu près 250 fréquences par seconde. On va le mettre à 150, c'est plus vite. Et ça va. Un bruit blanc. Et à travers ce bruit blanc, nous pourrons communiquer avec vous. Bonsoir. Je viens d'allumer une radio. Avec cette radio, vous ne pouvez pas réagir. Vous n'avez qu'à utiliser le bruit blanc. Construire des mots ou des phrases. Vous pouvez commencer simplement par votre prénom. Moi, c'est David. Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? On sait que vous étiez notaire. Est-ce que c'est encore vous le notaire ici? Est-ce que vous pouvez vous approcher pour parler avec nous? Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que j'ai posé là sur le tabouret?
puisque je ne pouvais parler à travers l'appareil que j'ai dans la main. Je vais me promener avec l'appareil à l'aîné. Et si vous avez envie de me dire quelque chose, de nous dire quelque chose, il ne faut surtout pas hésiter. N'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de parler. Est-ce que vous pouvez faire bouger un objet de cet enfant? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Je vous l'ai dit, je vous le redis, vous n'allez pas avoir peur de nous. On voulait savoir comment vous vous appelez. Vous êtes un homme ou une femme? Est-ce que vous pouvez venir vous approcher et parler à la radio que j'ai dans la main? Ou faire de la musique? N'ayez pas peur de venir parler avec vous. On n'est vraiment pas là pour s'embêter. Je vous l'ai dit, après on partira. Dites-moi votre prénom s'il vous plaît. C'est pour vous qu'on est là. J'aimerais que vous puissiez parler. Thank you.
que vous pouvez vous approcher des couteaux à la boîte que j'ai dans la main. Ce que vous voulez. Vous pouvez commencer par votre prénom. J'ai un appareil dans la main qui peut capter votre présence. N'hésitez pas à vous en approcher et faire fluctuer les informations de l'appareil. Vous êtes dans cette pièce. Est-ce que vous pouvez me parler, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire réagir un appareil, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien venir nous parler? On va continuer à se déplacer dans la maison. Et au bout d'un moment, on partira. Est-ce que vous pouvez déplacer un objet dans cette pièce? C'était votre bureau apparemment. Le bureau d'un notaire. Si je ne me trompe pas, faites un bruit.
j'ai besoin, il faut que tu me dises. Non, mais je sais pas, je suis angoissée. T'es angoissée, d'accord. Vous êtes ici. Est-ce que si je m'assois dans ce fauteuil, vous allez venir me parler? C'était votre fauteuil ici? Faire réagir l'appareil qui est devant moi. Est-ce que vous pouvez parler? Est-ce que vous pouvez vous approcher? Quel était votre prénom? Est-ce que vous me fuyez? Je vous l'ai dit, je suis pas là pour vous embêter. Vous me surveillez peut-être à cet instant même? Je le pense sincèrement. Mais j'ai besoin que vous parliez avec moi. À travers l'appareil que j'ai. Vous savez, vous devez le sentir, je ne suis pas quelqu'un de mauvais, Delphine non plus. Et je sais que depuis tout à l'heure, vous nous suivez. Delphine ne fait que regarder derrière elle. C'est pas pour rien. Et quand je regarde dans le couloir, j'aperçois quelque chose de bizarre sur mon écran filer. Donc je ne pense pas que ce soit un moustique, je m'avance peut-être. Mais si c'est vous, faut pas avoir peur.
vous voulez qu'on parte, faites un bruit clair et on partira. Je vous le promets. Allez, on fait un dernier tour et on s'en va. On va partir maintenant. Donc c'est le seul moment où vous pouvez venir nous parler. Parce qu'on s'en va là. On va récupérer nos affaires. Et on part. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est vous qui faites ces coups ? Si oui, faites un coup. Est-ce que vous pouvez refaire un coup, s'il vous plaît ? Fort et clair. Et on part. Je vous l'ai dit, on était en train de partir. Je ne vous ai pas menti. Donc si vous voulez nous dire au revoir, un coup, ça suffira.